Je crois qu'il y a là aussi il y a un critère qu'il faut prendre en considération, c'est que Maxime Machenot, il a fait le tournoi avec nous l'an dernier, il a été prépondérant sur ce tournoi-là, il s'est imposé comme le demi-mêlé, il a été blessé par la suite, il n'est revenu qu'en décembre, fin décembre je crois, si je me rappelle bien c'était le match à Bordeaux, dans des conditions un peu spéciales puisque... savoir qu'il avait un destin à sa famille. Donc, il a pour le tournoi, c'était prématuré de le prendre. Il a aujourd'hui retrouvé toutes ses qualités. Il est un buteur. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Il est un buteur très efficace. Et donc, voilà, c'est le choix a été fait en fonction de ces critères-là. Effectivement, il y a la blessure qui rentre en compte. C'est un paramètre que l'on a pris en considération. Sur un poste où il faut bien avouer qu'il y a, autant sur certains postes, on peut avoir des difficultés, autant sur le poste de demi-mêlée, il y a beaucoup de talent. Comme on l'a évoqué tout à l'heure au niveau des centres, il y a eu des choix difficiles à faire. Et demi-mêlée, on parle de Morgan Parra, mais on aurait pu parler de Couillou, de Bézi. Donc on est sur des postes où on a vraiment de la qualité, où les choix sont difficiles. Mais, il aurait été dans les choix, logiquement, il aurait été dans les choix que l'on aurait à faire.